résolution, ils voulaient voter. Conseil de sécurité voulait voter pour le déploiement. Kenya, en deux pays, c'est un complot pour organiser un génocide en Haïti. Et ce génocide, ça, nous-mêmes, organisation, nous venons dénoncer. Nous venons dénoncer le fait que la communauté internationale là, dit qu'il y avait de nous. Nous refusons de renforcer la police là. Nous refusons de payer la police là. Nous refusons de payer, renforcer, rendre efficace, effectif, fonctionnel l'armée d'Haïti. Nous refusons de créer une sorte de tax force pour être capable de gagner l'armée. La police, des sacs, trois conseils qui ont mis ensemble, ils ont rétabli la paix et la sécurité de l'île. Pourtant, les Nations Unies ont fait une résolution. Les États-Unis ont décidé Haïti, c'est 53e état. Ils refusaient l'autorité pays à planifier la sécurité pays. Mais ce qui est grave dans tout ça, c'est que les Nations Unies, les États-Unis, le Canada, la France, il y a beaucoup de complot pour mener le pays dans une aventure sans pareil avec le Premier ministre qui n'a pas ni mandat, ni qualité, ni légalité, ni légitimité pour engager le pays dans quoi que ce soit. Ariel Henry, c'est un équipé dans aucun pays au monde. Nos citoyens, qui est qui peut pour crime de sang, pas foutu continuer à diriger sur le nos postes. Voilà que je dis, nous avons une police noire qui mettait au service des criminels. Nous avons toute institution aujourd'hui qui pouvait recevoir l'ordre de nos criminels, de nos assassins, de nos équipés. Et c'est pour ça nous là. Pour nous dire, Bini, nous contester. Et de fait, nous contester. Et nous venons là pour nous signifier à Bini, représentant du Conseil de sécurité de l'ONU en Haïti, que résolution pour le voter dans le Conseil de sécurité, peuple haïtien pas gagné pour la donne. Nous dénonçons la résolution ça, parce que la résolution ça a permis. Résolution ça, son résolution qui a permis des soldats kenyans déployés en Haïti. Pourtant, les soldats kenyans ont subi une maladie qui est Ebola. Conditions sanitaires pays ne peuvent pas répondre à la choléra, ne peuvent pas répondre à la COVID-19. Voie pour Ebola. Ebola, si nous avons 10 soldats kenyans qui ont Ebola, ils sont capables de tuer plus de 500 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a un génocide qui fait en Haïti, c'est un coup de zame pas tiré. C'est ça que nous venons dénoncer. Nous venons dénoncer le Conseil de sécurité. Nous venons dénoncer Bini qui partage le gouvernement avec Jovenel Moïse et puis ils ont assassiné Jovenel Moïse. Et puis qui sont en base, ils ont 7-8 groupes nommés Ariel Henry. Ariel Henry pas dans l'élection, Ariel Henry pas dans l'institution, Ariel Henry, si mon a mouri, femme a mouri, kaya boule, machine a boule, journaliste a kidnappé, étudiant a kidnappé, avocat a kidnappé, policier a kidnappé, personne ne va dire. Ça veut dire, nous venons demander à la communauté internationale là, pour yo solidariser avec nous dans la bataille pour nous joindre départ Ariel Henry. Nous demandons démission, nous demandons révocation, tweet. Qui t'a tweeté, te mette Ariel là. Son tweet yon te fait, nous m'a dit rentrer tweet toi. Nous m'a dit Bini pour retirer tweet que yon te mette qui permet aujourd'hui, nous go tyran, nous go voyou, nous go délinquant, nous go assassin, criminel qui occupe yon poste prestigieux pour la primature. C'est pour ça que nous venons là pour demander Ariel Henry, communauté internationale là, pour désolidariser avec Ariel Henry, pour permettre au gouvernement responsable, techniquement capable, politiquement conscient, pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Merci.
gouvernement nord-est là, protocoler, nous venons faire ces batailles qui ont fait le mal par moi. Et nous venons très bientôt, nous apporter souvent, nous apporter solidarité, nous allons renforcer nos batailles là. La bataille n'a pas tombé parce que c'est autodétermination au peuple là. C'est souveraineté alimentaire, il y a une bataille pour ça. Nous sommes droits au gué. Nous sommes sur le territoire dominicain. Nous sommes sur le territoire ici. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.